rendez compte comment ça pousse vite? Dites-vous là sur la vidéo, ces petits biscuits. Ouais, je parle de toi, petit biscuit. Regardez, il avait pas de plume. Il n'y a aucune plume qui était sortie. C'était que des. Comment on appelle ça là? Comment on appelle ça? Je suis fatigué, ça. Je vais me réveiller pour nourrir les oisillons là. Ah ouais, je me suis endormi, j'ai pas fait le ménage. Du coup, voilà, il avait aucune plume. Et regardez comment il est devenu en quoi? En une semaine. Ah non, mais il a toujours faim lui. Regardez comment il est devenu. Toutes ses plumes, il va bien. Petit biscuit. Oh là là, petite fourmi, tu t'es perdue. Non, mais je vais rien te faire, c'est pas la peine de courir. C'est juste pour te redescendre. Voilà. Descends. Oh non, mange pas le Nutribird qui est dans mes mains. Allez, descends. Ouais. Mais descends. Pas obligé de te sauver, hein, t'es la bienvenue. Allez, on reprend. Toi, t'as mangé. Attends. Je crois que toi, t'as pas mangé. Ouais, toi, t'as pas mangé. Toi, t'as mangé. Toi, t'as très bien mangé même. J'ai enfin fini de nourrir les bébés. Ça m'a pris 40 minutes pour 4 bébés. Imaginez le temps que ça prend 10. C'est à ton tour? Eh bien, non mais viens. Hop. Merci à la personne qui vient de m'appeler, qui a gâché ma superbe vidéo. Bon, bah c'est dommage, je voulais montrer plein de petits trucs, mais j'ai eu un appel. J'ai même pas eu le temps de voir de qui, que j'ai raccroché. J'étais en train de faire une belle vidéo avec un petit biscuit. Mais du coup, ça s'est enlevé. Parce qu'on m'a appelé sur Snap. Doucement, doucement, petit bibi. C'est trop, je peux lui rentrer le. L'autre fois, il est parti jusque-là. Doucement, doucement. Prends ton temps. Avale. Tranquille. Ah oui, non, toi, c'est trop. Non, mais lui, c'est incroyable, il a toujours faim. Calme-toi, fils, c'est l'heure de dormir, t'as bien mangé en plus. Tu vois? Ben oui. Avec ta coupe. Je me suis endormi à Saïd, il est venu me regarder. Saïd? C'est un génie, je vous assure, j'étais en train de dormir, j'ai entendu du bruit. Merci de m'avoir réveillé, Saïd. Lui, il aime me regarder comme ça. Au début, là, il ne fait pas. Peut-être qu'il avait peur de ma bouche. Maintenant, je peux lui faire des bisous. Mais plus de coups de queue. C'est de la fraise, hein. C'est pas du sang. Il faut le tenir, les filles. Attends, je le tiens, c'est la fin. Tiens-le, tiens-le. Tenez-le sans forcer, hein, d'accord? Oui, je lève doucement son bec. Alors, le mieux, c'est que toi, avec ta main, tu le tiennes si tu arrives. Regarde, tu prends, voilà, avec ta main gauche, tu le tiens. Doucement. Voilà. Ceux qui m'ont demandé si j'avais besoin de matériel infirmier, bah déjà, j'ai tout. Franchement, la personne qui m'a ramené ça, incroyable. Bah, il m'a mis max, mais j'aurais surtout besoin de petites seringues comme ça, les plus petites. Merci, Tutu. Non, l'éponge là. Et des gants en latex, si vous avez ça pour moi. Des gants en latex, des bottes de gants. Elle est où, l'amo? L'amo! Ça y est, il se repose après avoir mangé? Oui, il
Ouais, on l'a fait. Vous avez fait leur jabot, s'il est... Lui, il a pas mangé encore? Non, il a mangé, il est pas rempli souvent. Ah bah je le vois d'ici là, qu'il a bien mangé lui. Attention, attention. Vous êtes beaucoup à m'appeler, mais comme vous pouvez le voir, je suis en plein déménagement, j'emmène tout au centre. Donc vraiment, vraiment, ça sert à rien de m'appeler pour le moment, m'envoyer des messages, je suis totalement débordé. C'est retour au centre, là c'est le premier voyage, j'en ai pris un max. J'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 animaux là dans la voiture avec moi. J'ai hâte de les remettre dans la salle. Ah oui, il faudrait que je raconte l'épisode du merle et de la pie. Ce matin, j'ai trouvé la porte pas grande ouverte, mais ouverte. J'ai réussi à rattraper le merle, mais la pie, je sais pas où elle est passée. Sandwich! C'est bien, il n'a pas bougé, un petit biscuit. Eux, comment ils vont? Ils sont réveillés? Oui, ils sont réveillés. Restez au chaud. Petit biscuit, t'as faim? Bah, toi, toujours. C'est l'heure de la rencontre. Paco et Rio. Paco, il va faire le match. Enfin, j'espère pas. Hé, eh, Paco! Non, mais hé! Eh hé, eh, mais... Chut, pas de bagarre. C'est ta copine. Elle a du caractère, hein, c'est bien, elle se laisse pas faire. Ça va, Paco? Tiens, descends là. Descends aussi, ma belle. Rio, descends. Ah non, mais Rio, t'es censé faire la présentation avec Paco. Mais... Paco, il la calcule pas parce qu'elle a voulu faire la nerveuse, mais elle est trop mignonne. Oh, ma fifi. Paco, toi, t'as ton mojito, ça? Donc, comme ça fait longtemps qu'ils sont pas tous venus, je vais fermer les rideaux. Comme ça, il n'y en a aucun qui va se cogner à la fenêtre, surtout pas la nouvelle. Je sais pas comment ils vont réagir les cogneurs avec elle. Bon, même s'ils connaissent bien Paco, on sait jamais. Pourquoi ils sont tous? Je peux pas transporter les 26 sur mon épaule. Il y a eu le week-end de 5 jours. Vous faites nature? Oh, le vent, je me suis pris. Il y a quoi? Les filles, je vous propose à l'échange un sandwich jambon fromage contre un cookie. Non, c'est pas cookie. Popcorn. Non, je rigole, les filles, vous aimez pas ça? Non, moi, j'ai ça. Non, mais je rigole, c'est... Ça, c'est une fabrication maison, c'est mon plat de midi. Ils ont changé, les petits de nos jours, ils mangent des vrais goûters. Coucou, ça va, Jules? Tu fais nature? Vas-y, on se voit devant la salle. Moi, à l'époque, tu me proposais un sandwich d'Inde, fromage, chauffé micro-ondes. Je disais pas non. Regardez la réaction de la nouvelle, elle entend le bruit des bébés. Elle réagit. Regardez, regardez sa réaction. Elle veut voir ce qu'ils font, elle veut voir c'est quoi, elle veut voir c'est qui. Elle essaie d'ouvrir le carton. T'as vu, c'est des petits bébés. Bien. Eh, non mais, pas de bagarre. Non. Elle est ouverte toute l'après-midi pour aérer, elle est sortie de sa cage. Elle a réussi à sortir, elle n'est pas sortie de la maison. C'est bien, Dory, je suis fier de toi. Je suis impressionné, elle ne s'est pas sauvée. Hein. Alors que de base, elle est sauvage. Et les fenêtres étaient grandes ouvertes. C'est bien, Dory. 4h du matin, t'as pas dormi encore? Si, j'ai dormi un petit peu. Hot dog fait maison. Yann, faut que tu viennes à la maison, ma mère, elle t'a fait un hot dog.
Ouais, s'il te plaît. Je vais vous expliquer ce qu'il a cet oiseau. Alors, c'est un ramier et il s'est fait attaquer par un chat. Il a un super gros trou. Vous vous rappelez le pigeon que j'ai soigné et que j'ai libéré en Vendée? Ben, il a à peu près la même chose, mais en pire. On voit la chair et tout, donc je l'ai soigné. J'ai mis de la bétadine coupée à l'eau, des graines et de l'eau. Et je le mets voilà, en isolement pour pas qu'il bouge trop. Et je vous garantis pas qu'il va vivre, mais on va tout faire pour. Alors, le sang que vous voyez, par contre, c'est pas du sang, c'est de la bétadine qui a coulé. En vrai, ce qui me tue chez moi, c'est que quand je suis en grand ménage, on m'amène un animal à soigner. C'est une dinguerie. Dimanche dernier, l'autre fois, là, j'étais en grand ménage, on m'a amené un animal à soigner. Trois animaux à soigner d'un coup, dont un qui a été libéré. Bah, le merle et la tourterelle. D'ailleurs, je vais vous les montrer. Dory, qu'est-ce que tu dors ici, toi? Les connards, ils aiment bien dormir collés à des choses, bien isolés. Je vais vous montrer la tourterelle et le merle. Du coup, ils sont là. Coucou, vous deux. Bah, la tourterelle, elle a un peu peur de moi. Après, je vous mens pas, je la manipule pas. Je veux qu'elle retourne à la vie sauvage le plus rapidement possible. Je veux pas qu'elle soit habituée à l'humain. Même si, en général, les tourterelles s'approchent beaucoup des humains, elles ont pas peur. Et après, bah, y a le fiston, un petit biscuit qui a toujours faim. C'est trop cet oiseau.